Un attentat près d'un aéroport à Damas et des manœuvres militaires en Jordanie. Au moins 20 soldats ont été blessés hier dans une attaque à la voiture piégée près de l'aéroport militaire de Mazé, proche de Damas. Ce complexe est utilisé par les responsables du régime et les officiers. Il est protégé par la redoutable 4e division de l'armée dirigée par le propre frère de Bachar el-Assad. Mais fort de son avancée sur le terrain, le régime de Damas multiplie ses bombardements sur les poches rebelles comme ici à Alep. Les insurgés attendent toujours les livraisons d'armes promises par les Occidentaux, un tournant dans ce conflit entamé en mars 2011. Autre tournant éventuel, la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Syrie, Washington y songerait. Les États-Unis ont confirmé samedi le maintien d'avions et de missiles en Jordanie. Le royaume hachémite pourrait même servir d'intermédiaire pour l'aide militaire américaine promise aux rebelles syriens. Une perspective qui pourrait se rapprocher à grands pas.